prières et chants d'allégresse pour véhiculer l'amour et la fraternité, l'Union des femmes baptistes missionnaires de Côte d'Ivoire célèbre ainsi la 43e journée de prière. Ça fait à peu près 25 ans. Je suis membre de l'Association des femmes baptistes missionnaires en Côte d'Ivoire. Nous sommes là aujourd'hui pour respecter donc cette tradition qui est que chaque 1er novembre, les femmes baptistes se retrouvent pour prier ensemble, pour célébrer la vie. Pour le pasteur adjoint de l'église baptiste missionnaire, il faut soutenir l'action des femmes car cela participe de leur épanouissement au sein de l'église. Le thème, c'est « Dieu est amour ». Donc le thème est très important pour notre nation. Nous sommes là pour leur dire que nous sommes en accord avec elles et que nous les soutenons, nous les accompagnons dans leur engagement. Des propos forts appréciés par la présidente de l'UFEBAMSI qui entend mobiliser davantage des actions à l'endroit des membres. Cette année particulièrement, on a mis l'accent sur l'amour. Et c'est pourquoi même pour manifester cet amour-là, les femmes baptistes missionnaires de Côte d'Ivoire sont allées à la MACA pour poser une action d'amour envers toutes les femmes de la MACA, les orphelins. Notons que les journées de prière de l'UFEBAMSI sont célébrées le 1er novembre de chaque année.